À 30 ans, tout peut arriver. Tout peut arriver, comme le dit Pantalon, personnage de la fable philosophique L'Oiseau Vert, une fable de 1765 de Carlo Gozzi, présentée par le Carlaton pour son 30e anniversaire. Le choix de la pièce, c'était plutôt par rapport à l'univers féerique qui nous a beaucoup séduit. D'une part, on n'a jamais fait de choses qui est en rapport avec l'univers féerique. Et je trouvais que ça allait aussi très très bien pour nos 30 ans. Ça faisait quelque chose de gay. En fait, moi, c'est vous qui me devez répondre. Barbarina, ne bougez pas. Vous n'avez pas le droit de refuser le lit du roi. Cédez ou je romps les rênes de la politesse. Bienvenue au pays de l'Oiseau Vert, où les statues parlent, les pommes chantent et les personnages se transforment. Un conte traversé de sortilèges qui symbolise la nature humaine et les excès de la pensée rationnelle. De forme très libre et drôle, Éric de Venthéry entraîne le spectateur dans un monde dont il a lui-même imaginé les images et les couleurs. On change donc à chaque fois de metteur en scène et du coup c'est à chaque fois très très différent, c'est des façons différentes d'aborder le spectacle. Mon idée pour le travail, c'était d'être comme sur du théâtre de foire ou sur une place de marché. On s'adresse au public, on va le chercher, on s'amuse avec, on s'amuse entre nous. L'idée, c'est aussi de travailler comme un théâtre à l'ancienne, en pleine rue du village, sur des tréteaux. Et d'amener le public à soi. L'une des difficultés de la pièce, les personnages qui appartiennent en partie à la Commedia dell'arte. Figure d'un jeu de cartes, ils semblent d'un côté se dessiner de la main du metteur en scène et de l'autre représenter les êtres de chair et de sang que sont les comédiens. Essayer d'être au plus proche des comédiens, de trouver ce que les personnages peuvent leur apporter, la manière dont les personnages peuvent raisonner en eux. Et du coup, être au plus proche de leur humanité, de ce qu'ils sont, enfin de ce que je peux percevoir d'eux. Les personnages des jumeaux, c'était quelque chose qui vous correspondait plutôt bien ou pas ? Bah, on se ressemble, en fait. Ça, vous ne voyez pas la ressemblance. Il n'y a aucun doute là-dessus. Beaucoup de peine encore à intégrer cet Oiseau Vert. J'étais déjà très surprise d'avoir ce rôle-là. J'ai aussi en parallèle un rôle de statue, général des statues. Donc je dois jouer les deux personnages. Et là, heureusement, maintenant, on est sur les lieux. Mais jusqu'à maintenant, j'avais un peu de peine à savoir où serait l'Oiseau Vert et comment il allait intervenir. Mais là, ça commence un petit peu à se profiler, à se mettre en place. On n'a pas vraiment choisi nos personnages. C'est le metteur en scène qui nous a désignés pour jouer les jumeaux. Et ensuite, on est encore un petit peu à la recherche de ces personnages, mais ça se dessine, oui, ça se dessine gentiment. Ouais. Il fait noir sur cette plage déserte et puis j'ai froid. Courage, Barbarina. Qu'est-ce que le froid, la faim, la crainte du lendemain, comparé à l'odieuse promiscuité des humains égoïstes et ignares? Nous sommes seuls sur une plage déserte. Ces répétitions sont vraiment super, c'est vraiment très très ludique. On rit beaucoup, beaucoup. Surtout, ce qui est très bien, c'est qu'on a eu la scène très tôt, ce qui fait qu'on peut déjà répéter dans l'espace final et on peut faire des choses définitives. J'ai l'impression de retourner en enfance, d'être dans un grenier avec une grande malle, plein d'objets, et puis au fur et à mesure... d'inventer une histoire. Carlo Gozzi, qui est un auteur vénitien du XVIIIe siècle, a justement repris une bonne partie de ces histoires de Commedia dell'arte. Et il y a une fonction dans la Commedia dell'arte qui s'appelle le Lazzi, qui est en fait une espèce de schéma de jeu. Et par moments, les comédiens vont retomber sur des Lazzi, donc ils seront dans une forme d'improvisation dirigée qui changera en fonction des spectateurs chaque soir. Si on demande aux jumeaux de faire un Lazzi, qu'est-ce que ça donne ? Les jumeaux, ils n'en font pas parce que c'est pas dans leur personnage. Vous n'avez pas pris les bonnes personnes. Nous sommes des philosophes, n'est-ce pas ? Nous philosophons voilà, beaucoup. Nous philosophons. Et ensuite, Nous perdons totalement la réalité de la philosophie. Et c'est justement là le cœur de la pièce, car entre la philosophie et la folie, l'Oiseau Vert, c'est avant tout un spectacle qui donne des ailes. À voir du 4 au 27 août au château de Duillé.